Alors, bonjour Monsieur Béchiza, bonjour. Vous êtes candidat au municipal à Aulnay-sous-Bois pour l'UMP. Vous êtes le candidat d'union de la droite, du centre et de la société civile. Pouvez-vous vous présenter aux Aulnaysiens qui nous regardent? Bruno Béchiza, j'ai 46 ans. Je suis papa de 5 enfants allant de 17 ans jusqu'à 3 ans. Je vis aujourd'hui sur Aulnay-sous-Bois, plus exactement dans le quartier de Nonneville, et mes enfants sont scolarisés sur Aulnay-sous-Bois. J'ai exercé la fonction, et j'en suis très fier, de policier pendant 20 ans, lieutenant, capitaine, commandant. Je suis ensuite entré en politique, où j'ai été élu conseiller régional de l'Île-de-France au titre justement de la Seine-Saint-Denis en 2010. Parallèlement à cela, j'ai donc été nommé haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Et l'UMP, à ce moment-là, m'a demandé d'assumer la charge de secrétaire national en charge des affaires de sécurité. D'accord. Alors, bien déjà, merci d'avoir accepté notre invitation et donc d'avoir choisi de répondre à nos questions, qui sont les mêmes pour tous les candidats. C'est important de le préciser, il n'y a pas eu de favoritisme pour quiconque. Alors donc, nous avons une première question. Pouvez-vous dresser un bilan de la mandature actuellement en place à Aulnay-sous-Bois, ce que vous pensez d'Aulnay aujourd'hui? Le maire sortant socialiste doit effectivement aujourd'hui assumer un bilan lourd pour les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes. D'accord. Pour synthétiser, la spirale du déclassement. Déclassement social, déclassement économique, déclassement dans les relations entre les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes. Quatre mots, quatre problèmes sont aujourd'hui illustrants de cette dégradation du cadre de vie et de la vie des Aulnaysiens et des Aulnaysiennes. Dans un premier temps, le chômage. 17% sur Aulnay, 30% pour les jeunes de moins de 25 ans. Chômage, premier mal. Deuxième mal, l'explosion de l'insécurité avec quatre problèmes spécifiques. Les cambriolages, les vols à la tire, le deal et le racket. Troisième élément du bilan désastreux pour la ville du maire sortant, le bétonnage. Le bétonnage partout, que ce soit le bétonnage qui mite les zones pavillonnaires du sud, mais aussi un bétonnage aveugle dans le nord qui finalement permet de mettre en place un système basé sur le clientélisme et l'assistanat. Enfin, l'endettement. L'endettement parce que en 6 ans, cette ville a vu son endettement multiplié par 2. Donc, 4 caractéristiques au bilan dramatique pour la ville du maire socialiste sortant. Bétonnage, endettement, explosion de l'insécurité et explosion du chômage. Et alors, qu'aimeriez-vous faire pour Aulnay-sous-Bois demain, pour l'avenir? Quelles sont les lignes directionnelles, on va dire, de votre programme? Contrairement au constat noir, dur, du bilan du maire actuel, il ne faut jamais oublier qu'Aulnay est une grande ville. Aulnay est une ville qui a des racines, qui a une histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de valoriser ce paramètre-là, en particulier pour nos petits jeunes. Ils peuvent venir d'horizons très différents. Leur dire qu'ils ont des racines communes parce qu'ils sont aulnaysiens, ce qui demain va leur permettre d'avoir un destin commun. Des atouts économiques objectifs, 2 aéroports, 3 autoroutes, une nationale, une gare RER, demain un contrat de développement territorial avec une nouvelle gare, un grand territoire de la superficie et 83 000 habitants. Aulnay, et tout le monde l'oublie, tout le monde veut le faire oublier, est finalement le dernier pôle de développement économique potentiel quasiment de toute l'Île-de-France avec Saclay. Donc que faut-il faire pour cette ville ? Lui redonner de l'attractivité économique, lui redonner de l'attractivité, lancer des signaux positifs vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des investisseurs, de dire revenez, et on parlera plus spécifiquement du réaménagement du site PSA, du malheur du départ de PSA doit être un bonheur pour Aulnay. Les investisseurs, les entreprises doivent revenir. Le parallèle du retour de l'investissement et de l'entreprise de différentes tailles, c'est la formation continue, pour que nos jeunes soient enfin formés avec une corrélation entre les formations qui sont offertes et bien évidemment l'activité industrielle qui sera sur, le,
sur le site. Mais il y a une condition à tout ça. La condition, c'est que cette ville redevienne ce qu'une ville doit être. Un endroit sûr, donc oui, il faut de la sécurité. Un endroit propre, un endroit où on peut circuler librement quand on voit l'état de nos bretelles d'autoroute, quand on voit l'état de notre voirie, quand on voit l'état de la circulation. Donc ça, c'est aussi le rôle du maire, de mettre en place les conditions de cette bonne activité économique qui correspondent exactement aux conditions du bien vivre ensemble. Donc on l'a compris, la première mission du maire de demain, c'est de enfin valoriser ce territoire. Aulnay n'est pas que la ville qui a brûlé le garage Renault en 2005. Aulnay n'est pas que la ville qui a une banderole ridicule et passéiste devant sa mairie. Aulnay est une ville qui a des atouts objectifs, qui peut faire revenir les plus grands, qui peut faire revenir des talents, qui peut pouvoir s'épanouir des talents sur Aulnay au niveau économique. Qu'on arrête d'enfermer nos jeunes dans la spirale de la désespérance en leur disant « Tu passes un BAFA, on ne te donne pas un métier, mais si demain tu es sage et obéissant, tu auras peut-être un stage à la mairie et demain un emploi à la mairie. » Non, le maire doit offrir les conditions de leur émancipation. L'émancipation des jeunes aujourd'hui, c'est au-delà d'un emploi, un métier. Pour que cela se fasse, il faut que le maire soit garant d'une bonne sécurité, qu'on lutte contre l'insécurité réelle, qu'on lutte contre le sentiment d'insécurité. Oui, il faut de l'éclairage. Oui, il faut de la propreté. Oui, il faut de l'élagage. Oui, il faut de la civilité. Oui, il faut une bonne circulation. Oui, il faut une voirie entretenue. Tout ça aussi pour lutter effectivement contre les cambrioleurs, contre les racketteurs, contre les voleurs à la tire, contre les dealers. Et alors, donc ça c'est les grandes lignes de votre programme et donc de ce que vous allez proposer aux Aulnaysiens si vous êtes élus avec votre équipe les 23 et 30 mars prochains. Avez-vous une idée qui se démarque de votre programme ou pouvez-vous nous présenter des idées bien concrètes qui vont toucher le quotidien de nos concitoyens? Mais finalement, je l'ai déjà exposé. Derrière ce grand mot qu'est l'attractivité territoriale, j'ai donné des exemples concrets. Vous savez, nous sommes partis du postulat que aujourd'hui, nos compatriotes n'ont plus confiance dans la parole publique. Donc le programme que je présente aujourd'hui aux Aulnaysiens et aux Aulnaysiennes est né de rencontres, d'échanges, devant les écoles, dans la rue, sur des marchés, dans des réunions d'appartements. J'ai dépassé les 150 réunions d'appartements où on dépasse le clivage partisan. C'est pas l'UMP, c'est que voulez-vous faire vous, Bruno Béchiza, pour notre ville? Et là, on essaye d'amener des réponses pragmatiques. Sur l'attractivité territoriale, comme je vous le donnais, lancer des signaux positifs, on enlève la banderole, on va voir les grands investisseurs, on dit peut-être ce que le maire n'a jamais dit. Peugeot ne veut pas se débarrasser du terrain. Donc on doit négocier avec ce grand groupe. On doit aller voir les grands groupes, les faire revenir. Des mesures concrètes, oui, il faut que la ville soit propre. Donc il faut à nouveau qu'on puisse nettoyer cette ville. Il faut que le conseil général fasse enfin son travail et s'occupe des bretelles d'autoroute. Il faut que les services de voirie aient des instructions claires pour qu'on n'ait pas des nids de poules et qu'on a l'impression de rouler dans certaines villes hors d'âge ou dans des pays sous-développés. Il faut, sur la sécurité, mettre une police municipale qui travaille 24 heures sur 24, bien évidemment, parce que les voyous, eux, travaillent 24 heures sur 24. Bien évidemment, cette police municipale, elle doit avoir des instructions claires. Un voyou est un voyou, un dealer n'est pas un honnête commerçant. Donc on doit identifier et donner des consignes très claires vis-à-vis des Aulnaysiens. On doit bien sûr soucher cette police municipale qui patrouille avec la police nationale, sur un système de vidéoprotection, avec des caméras qui sont enfin reliées à un centre de surveillance urbain, et surtout pas les 25 ridicules caméras que va annoncer le maire sortant, alors que pendant 6 ans, il n'a pas entretenu les caméras qui existaient déjà, qu'il les a laissées finalement mourir de leur belle mort, et là, une semaine du premier tour, il se redécouvre avec quelques coups de menton martiaux, super shérif de la ville, où il va inaugurer en grande pompe 25 caméras pour 83 000 habitants. Alors qu'à Nice, pour simplement protéger les cimetières, il y a 40 caméras. C'est-à-dire que pour le maire sortant, les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes méritent moins d'être protégés que pour certains maires qui ont à cœur
la sécurité de leurs compatriotes. Et puis appliquer la loi de 2007. Oui, il faut des rappels au droit pour des enfants qui font leur première bêtise, les faire venir en mairie avec les parents et leur faire un rappel à l'ordre. Et puis appliquer la loi de 2007 jusqu'aux dealers. Il faut lancer des signaux vis-à-vis des campements de Roms qui s'installent n'importe où sur un nez. Bien sûr, il n'y a pas d'arrêté anti-bivouac, il n'y a pas d'arrêté anti-mendicité, il n'y a jamais d'enlèvement des véhicules qui sont mis sur des trottoirs. Donc il faut, bien sûr, impérativement mettre en place ce cocktail de petites mesures concrètes pour que la vie au quotidien se passe mieux pour les Onésiens et les Onésiennes. Eh bien, merci d'avoir encore une fois donc accepté notre invitation et d'avoir souhaité répondre à nos questions. À bientôt. Merci.